Namasté, bonjour à tous. Ici Cédric Michel et bienvenue dans ce nouveau Yoga Nidra. Et avant de plonger complètement dans cette belle expérience méditative, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche afin de pouvoir être informé librement dès la sortie des nouvelles vidéos. Et préparez-vous pour Yoga Nidra. Allongé dans la posture de Shavasana, le corps bien droit, les pieds légèrement écartés du corps, paume de main tournée vers le haut, les doigts complètement détendus. Trouvez une position confortable, une position agréable et surtout une position que vous allez maintenir en bougeant le moins possible. Plus vous resterez immobile dans cette pratique de Yoga Nidra, plus elle sera intense, profonde. Rappelez-vous que vous allez pratiquer Yoga Nidra, le sommeil psychique. Votre corps va dormir pendant que votre esprit, lui, va rester totalement éveillé, complètement présent, très alerte. Et pour ne pas nuire à votre détente mentale, il n'est pas nécessaire d'intellectualiser ni d'analyser les instructions. Et laissez-vous guider dans ce voyage intérieur qu'est Yoga Nidra. Et pour vous détendre complètement, pour amplifier toute la détente que vous venez de créer pendant votre séance de Yin Yoga, je vous propose de prendre une grande inspiration par le nez. Et en expirant complètement par la bouche, sentez tout votre corps se relâcher davantage, se libérant de toute tension et en créant encore plus d'espace grâce à votre respiration. Prenez quelques profondes respirations comme ça à votre rythme et sentez votre respiration vous porter vers vos espaces intérieurs, vous permettre une intériorité sans effort, naturellement. Pour le moment, vous êtes conscient de chaque inspire et de chaque expire. Pleine conscience de ces respirations profondes qui vous détendent. N'hésitez pas à donner un bon volume à chaque inspire et à chaque expire. Très bien. Très très bien. Puis à votre rythme, retrouvez une respiration plus habituelle pour vous, mais toujours en gardant la pleine conscience de votre respiration. Vous inspirez, vous savez que vous inspirez, et vous expirez, vous savez que vous expirez. Et en même temps, soyez conscient de votre corps et de votre relaxation qui s'amplifie sans effort. Et portez, bercé par le temps qui défile agréablement, sentez que vos orteils se relaxent, se détendent. Puis sentez vos pieds se relâcher. Puis vos mollets relaxés. Vos genoux relaxez. Vos cuisses relaxées.
et toute la zone de votre bassin relaxée. Sentez votre dos relaxé. Et percevez votre ventre relaxé. La poitrine est relâchée, relaxée. Les bras sont relaxés. Les mains. Les doigts. Et le visage. Votre visage est complètement détendu, relâché. Relax. Pleine conscience de votre corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et en même temps, prononcez mentalement le mantra Om. Conscience complète de tout le corps, et de nouveau, mentalement, chantez Om. Et encore Om. Maintenant, c'est le moment de prononcer votre Sankalpa, votre intention pour la pratique de Yoga Nidra. La pratique de Yoga Nidra commence maintenant. Quand vous allez répéter votre Sankalpa, votre résolution, ne changez ni votre phrase, ni l'intensité, ni la conviction dans votre Sankalpa. Et maintenant, répétez-le 3 fois avec conscience et émotion. Et soyez sûr et certain que votre Sankalpa se réalisera dans votre vie. Gardez le même Sankalpa de pratique en pratique jusqu'à ce qu'il se manifeste. Puis maintenant, nous allons pratiquer la rotation de la conscience. La rotation de la conscience qui voyage à travers les différentes parties du corps. La conscience doit se déplacer aussi rapidement que possible d'une partie à une autre. On va commencer par le pouce de la main droite. Portez votre attention sur le pouce de votre main droite. Puis laissez votre attention passer à l'index droit. Le majeur. L'annulaire. L'auriculaire. Puis tous les doigts ensemble. La paume de la main droite. Le dos de la main. Le poignet. L'avant-bras. Le coude. Puis l'épaule, l'aisselle à droite, le côté droit de la poitrine, la taille à droite, la hanche droite, puis la cuisse droite. Le genou, le mollet,
la cheville, le talon, la plante du pied, puis le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième. Puis tous les orteils du pied droit ensemble maintenant. Tous les orteils du pied droit. Puis tout le côté droit. Tout le côté droit. Conscience complète de tout le côté droit du corps. Et maintenant, déplacez votre attention sur le côté gauche en commençant par le pouce de la main gauche. Puis l'index. Votre majeur gauche. L'annulaire. L'auriculaire. Puis tous les doigts de la main gauche ensemble. La paume de la main gauche. Le dos de la main gauche. Le poignet gauche. L'avant-bras. Le coude. Le bras. L'épaule. L'aisselle gauche, le côté gauche de la poitrine, la taille à gauche, la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou. Le mollet, la cheville, le talon et la plante du pied. Puis le gros orteil gauche. Le deuxième orteil. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Puis les cinq orteils ensemble, les cinq orteils du pied gauche. Puis tout le côté gauche. Tout. Le côté gauche. Conscience complète et totale de tout le côté gauche du corps. Très bien. Maintenant, portez votre attention sur l'arrière de votre corps. Et on va commencer par le talon droit. Conscience complète de ce qui se passe au niveau du talon droit. Puis le talon gauche, l'arrière du mollet droit, l'arrière du mollet gauche, l'arrière du genou droit, l'arrière du genou gauche, l'arrière de la cuisse droite. L'arrière de la cuisse gauche. La fesse droite. La fesse gauche.
puis le bas du dos à droite. Et le bas du dos à gauche. Et le milieu du dos à droite. Le milieu du dos à gauche. Et l'omoplate droite. L'omoplate gauche. Puis tout l'arrière du dos côté droit. Et tout l'arrière du dos, côté gauche. Puis la colonne vertébrale tout entière. Et la nuque. Et l'arrière de la tête. Et tout l'arrière du corps ensemble. Tout l'arrière du corps. Tout l'arrière du corps. Et puis maintenant, on va faire le devant du corps. On va commencer par le sommet de la tête. Puis le front. La tempe droite, la tempe gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, et le centre des sourcils. L'œil droit, l'œil gauche, l'arête du nez et le bout du nez, la narine droite, la narine gauche. La joue droite et la joue gauche. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure, puis la langue, le palais, le menton. La gorge, la clavicule droite, la clavicule gauche, la poitrine droite, la poitrine gauche, et le centre de la poitrine. L'abdomen à droite, l'abdomen à gauche, le nombril, puis élargissez à tout le ventre, tout l'abdomen, puis le bassin, puis le dessus de la cuisse droite. Le dessus de la cuisse gauche, la rotule droite, la rotule gauche, le tibia gauche, le devant de la cheville droite. Le devant de la cheville gauche et le dessus du pied droit, le dessus du pied gauche,
et tout le devant du corps. Essayez de visualiser tout le devant de votre corps, tout le devant du corps. Et maintenant, essayez aussi de visualiser tout l'arrière du corps. Puis maintenant, visualisez toute la partie droite du corps. Puis toute la partie gauche. Et maintenant, visualisez le corps des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Conscience complète de tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Attention, restez bien éveillé, bien concentré, complètement présent. Vous êtes relaxé mentalement, vous êtes relaxé physiquement. Relaxé en respirant normalement et en observant le mouvement de votre respiration. Et puis maintenant, vous allez observer le mouvement de la respiration du nombril à la gorge et de la gorge au nombril. Observez cette respiration yogique complète en trois temps. Conscience de la respiration naturelle dans ces trois zones, dans le ventre, la poitrine, les épaules, sans forcer le rythme, sans le changer. Observez simplement votre respiration naturelle complète. Puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous allez commencer un compte à rebours de vos respirations de 77 à 1. 77, j'inspire et j'observe mon corps bouger au rythme de mon inspire. 77, j'expire en observant mon corps bouger au rythme de mon expire. 76, j'inspire. 76, j'expire. Etc., etc., à votre propre rythme. Attention, ne vous trompez pas, et si vous vous trompez, en faisant preuve de beaucoup de bienveillance pour vous-même, revenez à 77. Pratiquez, pratiquez. Très bien. Même si vous n'avez pas fini votre décompte, laissez le compte de côté. Et en gardant la pleine conscience de votre respiration, du mouvement du corps avec la respiration, nous allons maintenant passer à la visualisation. Rappelez-vous que dans la visualisation, pas besoin de voir les images parfaitement nettes. L'essentiel est plutôt d'en avoir l'intuition. Et rappelez-vous aussi que la visualisation ne se limite pas simplement aux images, mais qu'elle doit être une expérience complète, totale, ajouter du son, ajouter des sensations. Et puis, laissez-vous toucher par ces images. Et soyez bien attentive et bien attentif aussi à ce qu'elles évoquent en vous. Et en même temps, autorisez-vous à vous laisser surprendre
par ce qu'elle crée à l'intérieur de vous. Mais ne cherchez rien, ne faites rien. Et lâchez prise en même temps que vous visualisez. Lâchez prise. Lâchez prise et imaginez, visualisez que vous êtes au bord de la mer par une belle journée. C'est le meilleur moment de l'année pour profiter de ce paysage. Et c'est surtout la meilleure heure de la journée, le meilleur moment. Rappelez-vous le sentiment que vous ressentez dans votre corps lorsque vous êtes au bord de la plage. Ou même si vous le souhaitez, rappelez-vous ce que cela vous faisait d'être au bord de la mer quand vous étiez enfant. Imaginez la chaleur du soleil sur le dessus de votre tête et sur vos épaules. Et permettez à cette image de se développer. Peut-être y a-t-il une brise agréable que vous ressentez sur votre visage et sur vos bras. Imaginez et sentez la brise rafraîchissante et salée. Vous respirez consciemment. Chaque inspire et chaque expire vous permet d'amplifier les sensations agréables que vous ressentez dans cette image. Visualisez et regardez la plage. Notez l'étendue de sable, sa couleur, sa texture et la manière dont ce sable brille avec le reflet du soleil. Imaginez, visualisez que vous êtes debout sur le sable sec. Il est doux, pas trop chaud, pas trop froid. Sentez-le sous vos pieds et entre vos orteils. Puis imaginez que vous faites quelques pas sur ce sable. Chacun de vos pas s'enfonce doucement et soyez aussi attentif au son de chacun de vos pas sur le sable. Vous vous rapprochez de l'eau et vous marchez maintenant sur un sable plus frais et plus ferme. Sentez-le prendre la forme de vos pieds, dessinant chacun de vos pas. Regardez derrière vous et voyez vos empreintes de pas dans le sable. Puis remarquez les vagues aussi qui roulent doucement et qui lisent peu à peu ces empreintes de pas. Regardez le bord de l'eau et remarquez sa couleur. Notez la couleur quand l'eau rencontre le sable. Les vagues clapotent doucement sur le rivage, se brisant délicatement et retournant encore et encore sans fin dans cette vaste étendue d'eau. Le son des vagues est profond, apaisant. Concentrez-vous quelques instants et imaginez ce son, la manière dont il parvient à vos oreilles, comme cette brise. Puis vous surveillez l'horizon et vous observez les vagues les plus éloignées. Et vous remarquez la manière dont le soleil brille sur elles. Observez cette lumière danser et se déplacer de façon rythmique sur toute la surface de l'eau. Puis votre regard se porte sur la ligne d'horizon
là où l'on rencontre le ciel. Et autorisez-vous à respirer avec l'atmosphère, avec cette atmosphère, vous remplissant pleinement de cette sensation d'espace, de luminosité et de paix. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous imaginer aller dans l'eau. Et vous vous sentez doucement porté par les vagues en toute sécurité. Elles sont réchauffées par le soleil. Et vous laissez votre corps surfer doucement au rythme de ces vagues. Et lorsque vous sortez de l'eau, une serviette propre vous attend étendue sur le sable, sèche et douce. Vous la placez autour de vous, vous vous sentez bien, merveilleusement bien. Et permettez-vous de vous détendre encore plus, de laisser les sensations agréables remplir votre corps et votre esprit. Et profitez encore quelques instants de toute cette expérience, de toutes ces sensations. Abandonnez-vous complètement à ces images et profitez, profitez. Puis relâchez complètement vos efforts. Laissez partir les images et vous restez dans la conscience de votre respiration. Tout doucement, progressivement, vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes là maintenant. Vous vous rappelez de la place que vous occupez sur votre tapis dans cette salle et vous reprenez pleinement conscience de votre corps. Vous revenez ici et maintenant, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Conscient du corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et tout doucement, pour redynamiser votre corps, je vous propose de bouger vos doigts, un petit peu comme si vous vouliez pianoter. Puis de faire la même chose avec les orteils. Et à votre rythme, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez vous tourner sur votre côté droit en position fœtale, en faisant un petit coussin avec votre bras et profiter encore quelques instants de toute cette expérience de sérénité. Vous venez de pratiquer Yoga Nidra. C'était Cédric Michel pour vous accompagner. Si cet enregistrement vous a plu, partagez-le librement vers vos amis. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en bas. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez découvrir mon bonus offert en cliquant sur le petit i en haut ou en bas sur le lien de la description. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Namasté.